Bonjour les gars, puis-je vous poser des questions? Oui. Mon nom c'est Michael. Gabriel, enchanté. Pourquoi êtes-vous présent ici aujourd'hui? C'est le Burkina Faso. D'accord, que se passe-t-il? Il y a un coup d'état dans notre pays. Vraiment? Voilà, il y a un coup d'état. Et puis la communauté internationale s'est réunie pour apporter pour des solutions qui avaient abouti. Et ce matin, un rebondissement. Nous sommes là pour dire non au coup d'État, oui à la démocratie. Et puis il y a des gens qui sont morts, une dizaine de personnes qui sont mortes. Donc nous sommes là pour dire. Et ce coup d'État a eu lieu quand? Eh bien, depuis le samedi. D'accord, donc hier. Ou bien c'était quand exactement? Parce que la semaine passée. Une semaine passée. Mmh. Parce que je ne suis pas vraiment en train de suivre ce qui se passe au Burkina Faso. Mmh. Combien de gens sont ici présents pour protester? On se rassemble. C'est le début. D'accord. Vous êtes ici depuis combien d'années? Moi? Oui. 15 ans. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un problème justement par rapport aux étrangers qui sont arrêtés? Ne trouvez-vous pas qu'il y a un problème de démocratie ici dans ce pays en termes de personnes qui sont arrêtées? Bon, je ne vois pas. Je ne vois pas tellement. Je vois pas. Vous ne lisez pas les rapports américains qui disent que les minorités sont en train d'être arrêtées ici dans ce pays? Oui. Oui. Ceux qui n'ont pas de papier, ils sont pas arrivés. Ouais. Vous êtes de quel pays? Ah, je suis originaire d'Éthiopie. Mais justement, c'est intéressant ce que vous faites parce que je suis en train de couvrir un peu tout ce qui se passe autour de la Maison Blanche. Ah. Et vous êtes maintenant la troisième pays que je vais maintenant qui est ici présent pour protester. Exactement. Troisième pays aujourd'hui ou bien? En tout cas, troisième pays depuis mon départ à Washington DC que j'ai vu en train de protester. Bien. Processus. Bon.